penser à... Pense à un nom, un prénom. C'est un prénom féminin? Hein? C'est un prénom féminin? Ouais. Diane? T'as pensé à un nom. Ouais. Ok, c'est un nom féminin. Ouais. Annie. J'ai cinq mots mis à peu près au hasard. J'ai une prédiction ici. Ici. Il y a un mot qui va t'attirer plus qu'un autre, bizarrement. Ça va être bizarre, mais il y a un mot qui va t'attirer plus qu'un autre. Essaye de le repérer. Tu me le diras, mais que tu l'as repéré. Ouais, Il y en a un qui t'attire plus qu'un ok. autre? C'est lequel? La prédiction, je touche plus. Les deux. Le deux, le deuxième? Les plus gros. Ouais. Ok, on voit ici. C'est télévision. Check, la prédiction est là. Je l'ai pas changé, là. Ok. Regarde. Télévision. Shit. Aïe aïe. Viens voir ça. Vite, vite. Tu veux voir un pur miracle? Choisis, il y a deux journaux, choisis-en un des deux. Celle-là, tu prends celle-là. Choisis une page. Sans les regarder, fais juste défile les pages comme ça, puis arrête à une page. Là, ici, je vais le prendre. C'est vraiment là que tu arrêtes. On peut recommencer. On avance. C'était une bonne page, là, mettons que je ne l'ai pas vue. Donc, je change de journal. Tu peux changer de journal et tout. Ben, c'était merveilleux. Je vais faire une prédiction. It's not really a reality to you until you actually see him in person. It's not made up. It's real. And I can't explain it any other way than that. Chris Angel is phenomenal. But how many people can honestly say that they saw somebody walk on water? That's the most amazing thing I've ever seen. Warning. The stunts and illusions performed on this program were designed and tested. Ça, c'est une prédiction. Tu la gardes jusqu'à la fin. Et dévoile la poutre pour la mettre quelque part. Tu peux la checker, non? Non, non, non. Je vais faire d'autres prédictions.
Vas-y, tu défiles les pages sans les regarder, puis tu choisis une page. Je les défile ou je peux le changer, je peux faire une d'avant? Choisis en une d'avant, n'importe laquelle au hasard. Bon. Vas-y, ouvre. Ok. Cette page. Ça me prend des lettres. Fait que je vais prendre ici. C'est vraiment cette page-là que tu prenais. Non, c'est quoi la page? 22. 22. Ok, je vais prendre juste cette page-là. Puis, je vais découper. Okay, j'ai découpé une languette ici, de la page 22. Okay. Je vais juste défiler comme ça, les ciseaux, puis tu me dis stop quand tu veux, je regarde même pas. Tu me dis stop quand tu veux. Attends, avant de faire ça, je vais faire une prédiction. Hein, parce que pas de prédiction, c'est t'en l'air. T'en as déjà fait une? Ouais, mais il va en avoir plus. Okay. Fait quoi? Je vais défiler les cartes comme ça. Tu me dis stop quand tu veux. Quand tu veux, tu peux prendre ton temps. Je vais arrêter. Où est-ce que tu me dis d'arrêter? Top. Là? Ouais. Je vais couper entre les mots. Pour couper. Pourquoi je coupe les mots? Je peux se les lire. C'est là, c'est exactement là. Tu peux voir, tu peux regarder où ce qu'on a coupé. Ok. Ben, l'autre côté, là, je vais mettre. Ok. C'est quoi le mot en haut? Public. Public. Tu peux le montrer à la caméra. Ok. Check ça, la prédiction. La page, 22. Puis public. C'est ça que tu viens de l'écrire. Puis avant même que tu choisisses le journal, je t'ai donné une prédiction dans le petit papier jaune. C'est la première lettre du mot. Avant même que tu choisisses le journal, avant même que tu choisisses la page. Ouais. Quand même, un peu mirage. Comme ça. On décide. Big wine guy. A wine guy? So I would say maybe like
j'ai une prédiction ici. Puis là. Rajoute un chiffre. Un chiffre? Un chiffre de. De 5 chiffres. 5 chiffres. 5 chiffres. Plus? Mais non, marque-les avant. Marque 5 chiffres. Ah non, ouais, fallait que tu fasses plus sur 4 ans. La flèche. Ok. Ouais, ça marche. Plus? Ouais, plus. Ok. Puis marque un autre chiffre. N'importe quel 5 chiffres. Encore plus? Plus, ouais. Plus. N'importe quel autre 5 chiffres. Ok. Puis là, moi, j'ai marqué deux chiffres. Plus. 89 900 88 plus 30. Tiens, mettons, au hasard, égale la prédiction qui est supposée d'être là. Qui est 278 399. C'est ça? Ouais, exact. T'as acheté du bon duct tape? T'as acheté ça au Honda, ce duct tape-là? Ok, check ça. Tu checkes le paquet? Paquet normal, de côté. C'est bon. Je veux que tu prennes le paquet, tu le coupes n'importe où, puis tu checkes la carte comme ça, en mettant ta main comme ça pour cacher, puis tu checkes la carte comme ça ici. Puis tu laisses ta main, tu laisses le deck comme ça. Je te le montre? Attends. Tu caches tout le temps la carte sur le dessus. Okay. Puis tu coupes ce que tu veux pour voir son coup. Je regarde pas. Coupe si tu veux. C'est beau? Un 7? Ouais. Ouais? Sept de pique? Ouais. C'est ça? Ouais. Ça, c'est fort, ça? C'est pas pire, hein? Tu veux-tu la refaire? Bon, ouais. Ça me manque pas mal, mais... Fin de cut, puis bon. Okay.
Trèfle? Ouais. C'est une figure? Non. C'est pas une figure. Un 7, je dirais. Ouais. 7 de trèfle? Nice. C'est nice. Trèfle, c'est bon? Ouais. Quand tu fais? C'est d'avoir un PSP.